Zami famille a noué la caille, calé genou Haïti prend un complot. Ambassadeur américain en Haïti, Denis Bruce Anking, a déclaré hier dans une intervention lui t'a pas fait sous situation sécurité pays que ambassade américain toujours parler avec chef de gang yo dans pays pour sécurité ambassade là. Donc c'est-à-dire de temps en temps toujours gien petit conversation avec un chef gang vite l'homme innocent. Est-ce que nous songeait deux américains qui étaient mouri la plaine à haïtien? Nous rappelons c'était chef gang vite l'homme qui t'ai fait rejoindre corps de américain yo. Donc ça t'est passé récemment là. Nous songe libération spectaculaire missionnaire américain yo que Katama Ozo te kidnappé missionnaire te dit donc c'était bon Dieu qui te mettait au dehors donc dans dernier moment ça yo nous voit que gagne chef de gang vite et barbecue qui toujours live sur TikTok côté que il a déclaré que ambassade américain devoue machine spéciale vienne chercher donc il était allé ambassade là gagne monde qui pas de croire parole ça était pensé c'était menti et bien ambassadeur li dit de temps en temps, yo toujours font ti parler avec chef de gang yo. Pendant ce temps, nous gagnons FBI qui mettait 2 millions de dollars sous tête vite l'homme innocent, yon million de dollars sous tête si l'appli ISO parmi chef de gang Haïti yo. Donc on gagne un bagay que nous pas kan comprendre. Si on mettait à vidéo recherche derrière yon moun, c'est parce que ou pas ka joindre ni, ou kon ki côté que lié. Là on mettait prix à même. Donc on mettait rançon, ça a montré importance qui gagnait pour joindre monde ça. Mais comment fait que ambassade là toujours gagne ti parler avec chef de gang yo dans pays qui pas caché monsieur ça yo sur tout réseau, il a circulé yo tout côté, nèg yo pas utiliser technologie sophistiquée, yo pas vivre dans un bunker, yo pas circuler dans tunnel souterrain, mais comment yo pas ca arriver sur yo. Donc ambassadeur dit nous clair. Donc si que nous voulons résoudre le problème gang dans Haïti, donc c'est haïtien qui pour mettre tête ensemble pour venir avec solution. Donc t'as l'air que moi pral faire autant de causer. Mais faut que nous dire que situation vient plus compliquée côté que bandi vient sans contrôle. Hier bandi grand avignio tiré sous hélicoptère Nations Unies qui était gain plusieurs membres organisation PAM. Trois équipages avec 18 passagers. Donc nous pas connait si c'est balle marron, donc pendant que l'hélicoptère a passé sous tête grand ravine, ou bien c'est exprès que bandi ont fait tirer sur l'hélicoptère. Mais l'hélicoptère, Nations Unies, il était obligé de faire atterrissage forcé. D'après aller dans le sud du pays, il y a un ambassadeur américain donc, qui dit que l'action ça a une plus compliquée situation humanitaire du pays qui était déjà chaotique. Mais je promets tout, nous allons faire autant de ambassadeur américain, Denis Bianking, donc qui t'a parlé comment il toujours parlé avec un gang yo Haïti. Mais avant faut que moi dire ça, est-ce que tu connais que présence parti famille Lavalas présenté un blocage pour le pays d'Haïti? Est-ce que nous songe ça t'est passé président Voltaire là dans 79e assemblée générale qui t'a fait New York côté que sécurité a empêché le rentrer dans réunion bilatérale pays Brésil là à Haïti? Laissez Voltaire t'est fâché ça qui vient conduit gravité conflit qui gagne avec Gary Conny et puis Dominique Andipuy. Donc la vraie raison c'est parce que président Lula, président brésilien, pas voulu rencontrer représentant famille Lavalas là. Et bien gagne Ricardo Sentefus sur Magic 9 qui dit nous quatre vérités avec présence famille Lavalas dans tête en conseil là. Donc on garde question élection avant. Dans perspective en prochain élection yo pour empêcher toute tentative manipulation dans vote électoral, Ricardo Sentefus encourage établissement d'un système vote électronique. Depuis plus ça passé 10 années, moi proposé que si gagne un bagage Brésil capoté dans démocratie haïtienne, c'est si pour organiser élection à travers vote électronique. Sentefus en conseiller pendant les souligner que système ça c'est une façon pour défendre vote populaire. Gen moun ki compte en vote électronique là. Donc si moun sa yo compte en vote électronique là, yo compte en vote citoyen yo. Compte en décision électorale d'après
Ricardo Sentefo, cependant, il soulignait que en Haïti, vote électronique là joint opposant ni en d'un pays ni en dehors pays. Selon lui, opposant ça yo gen un agenda caché et puis yo vle gen pouvoir au soir influencer li. Avec Leslie Voltaire dans tête conseil présidentiel, là, Ricardo Sentefo sans croire que Haïti a toujours isolé par bord gauche Amérique latine nan. Li mentionné que gen quelques conflits qui poko résoudre en bord gauche là ak mouvement la valas là. En plus, Sentefo sa te conseiller Jean-Bertrand Aristide ancien président paysan pour te casser isolement idéologique politique international là dans dialogue objectif yon bagay que Jean-Bertrand Aristide pas jamais fait. Sentefo vraiment regrette ça. Pendant que Leslie Voltaire président conseil là te fait demande officielle pour transformer force multinationale là en opération onusienne maintien de la paix, et bien Ricardo Sentefo croit que transformation ça li vraiment impossible. C'est impossible pour réaliser qu'on y a pas gain condition pour yon nouveau mission de la paix en Haïti. C'est ça Sentefo déclaré dans émission Panel Magique. Pendant li souligner que force multinationale lance une mission volontaire côté tout pays membre Nations Unies qui a participé. D'après Ricardo Sentefo, sans pas gain aucune mission Nations Unies en Haïti qui fait dans toute forme li. Et puis, li pral nécessaire pour joindre l'autre solution pour financer force multinationale. C'est ça que li te dit sur Magic 9 vendredi qui sont passé là. Pendant li mette accent aux amis nou yo, problème nan c'est pas nan demande officielle que Haïti te fait pour mission an, ni nan volonté américain yo, mais c'est difficulté pour convaincre membre conseil sécurité an voter mission sa zami famille nou yo. Donc est-ce que nous songez que États-Unis donc t'es obligé by vague côté que États-Unis t'es rédigé une résolution ensemble avec un pays Équateur, et bien gen la Chine avec la Russie qui t'est opposé de résolution ça côté yo t'a prêt aller pour transformer mission 1 en mission onusienne. Et bien la Chine avec la Russie t'es mettez blocage t'es mettez droit de veto yo, et bien États-Unis t'es by vague zami famille nou yo. Donc les nous considérer tout donc différence ça que pays Amérique latine bord gauche yo gagné avec la famille Lavalas. N'a pas rappelé nous que gain Dominique Dupuy il dit que pays Brésil prêt pour aider nous pour contrôler aider nous contrôler frontière nous parce que Brésil chargé frontière aider nous dans question élection mais avec présence en famille Lavalas dans conseil présidentiel ça. Donc si que conseil en toujours été, est-ce que Brésil a bien aidé nous toujours? Donc son bagage que n'a prêté suivre zami famille Anouela. Donc nous te promettons pour tendre déclaration ça avec un propre oreille que ambassadeur américain lui-même lui déclarer que il a toujours parlé avec et gagne de temps en temps ou pour sécurité ambassade là. Donc entendez et si que ou gagne une réaction pas oublier la gueule en bas vidéo. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociations avec les gangs, Non, j'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles.
Alors, de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors, c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gangs doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur dire, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas contrôle de nos journalistes. Mmh. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, présidente Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est la fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré un cessez-le-feu,
c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation. Parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais, du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays du Caraïbe et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sont en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent. Il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté. Et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff que nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs. Mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi,
pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non. J'ai vu même aujourd'hui. Et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders du gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui s'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir la contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter? Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de la population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est, même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui ont financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de la communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité. Mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole est « il n'y a pas jeté un chaudier aisé pour chaudier neuf ». Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le process politique. On a vu et on a salué le conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour l'établissement de la commission pour la réforme constitutionnelle.
même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiqués, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale. Et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État, il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement, dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour ne pas retourner à ce même risque que les gangs pour gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de question de sécurité des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2 500 hommes, mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1 000 hommes. Quand est-ce que, ou encore, comment est-ce que vous allez augmenter, vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS, École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte. Et c'est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'est directement, ça, c'était la stratégie de MSS. Parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité fait une visite dans une zone, mais ils doivent retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, ils vont retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT et primature bat de l'aile, surtout suite au scandale des trois conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet?
Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut prendre, veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Mm-hmm. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces outils qui sont à notre disposition, dans un sens bilatéral, de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais, par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec le... Bon, maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite. Il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport. Alors, il faut avoir la capacité de transport. Et même, nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que bon... Pour le fait que finalement, il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années, ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi cette comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections. Quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain? Est-ce que sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule?
Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de la commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique ni du côté du chef d'État ni du chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires, de voix. Et nous savons qu'il y aura de côté de l'ONU, il y aura une groupe de voix, les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Et Denis Anking, Zami et Fami Nouyo, donc ambassade a parlé, je parle en pile causé. Donc nous t'ai annoncé que il y a une organisation droit moun yo. Donc il dit que jodi on va manifester donc pour que représentant yo ka et accepter dans conseil électoral provisoire là et bien jodi là monsieur yo fait gros meeting donc pour que yo accepte Gédéon Jean donc comme moun qui doit représenter yo et donc dans conseil électoral provisoire là donc on garder donc comment ça t'est Zami, fami nou yo parce que Anouel a ka ide prezan. Moun kap devan dwa moun, et kou ya dwa pa nou a viole. Nan ki fason, mè jere yon pa monte nan CPA. Donc, matin la, nou vin devan pou mè atyan la, nou vin mande mam CPT yo, ou saisi yo parce que si yo commence à fond bagay devant peuple haïtien pour que bagay la commence fait mazora pour bagay la commence fait droite et gauche donc ça fait nous sentir que si demain pral gen élection les moun les types en province fin voter au moun donc là ou dans n'importe où presse c'est n'importe presque qui prend que ben yo comme nous connaît même CPO même qui en dedans, parler à la, nous connaissons c'est des gens qui travaillent pour la société. Nous m'avons ressaisi, nous ne nous vote nous. Faites tout le bagage correct. Parce que dans ce sens, ça va nous empiler tout sur ça. Et non seulement, mais je dois monter dans ce pays comme représentant nous, c'est un acquis que les droits humains gagnent même pour que les gens représentants dans ce pays. Et qui les ont fait pas monter tout. C'est ça que nous avons besoin qu'on ait. Dans la conférence de presse de débat hier, nous avons demandé à la population en général pour nous mobiliser devant le primature là pour respecter le choix. Dans le cadre d'une organisation, ça nous pas remarqué la population répondre. Ça qui passe un problème. Non, pas de problème, non, pas de problème. C'est que faut qu'on ait tout. L'élection à ta fête là, c'est tout en province. Organisation était sorti mais qu'on yo wè jan bagay yoyé moun yo pa ka traverser l'autre côté pour venir donc mais il y a assez de moun là qui représentait 81 moun qui te voté mais Gédéon ça veut dire que même si l'autre moun qui était dans zone en province pas venir parce qu'il y a un problème pour traverser donc mais il y a assez de majorité qui représentait l'élection c'est ça que fait jodi à nous-mêmes. Nous croyons que CPT a pris une décision en main pour qu'il avance avec l'élection. Parce que qu'est-ce qui s'allie? Si nous-mêmes, même gens et loi, déjà vu là. Mais Dieu dit aux gens, CPT, avec toute la primature, dégagez-vous.
pour nos représentants droits humains avec nos représentants secteur femmes non qui c'est Maître Gédéon Jean et Yves Marie en dans KPCB. Qui donc l'on a fait comme ça sont des autres n'a pas croire dans l'institution n'a pas croire dans la démocratie. C'est la démocratie qui est en jeu. Donc il faut respecter les normes et les principes juridiques, il faut respecter les normes de droit dans le pays. Donc c'est une raison nous tout dit que soit un nègre qui a fait ça aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y a pas d'élection, il va faire sélection. En dans sélection, il va choisir Mounovle pour mettre en dans poste électif. Les ça, il est capable de faire ça, ouvre les gens, ouvre les ça, c'est Moun Parouap qui apprend, c'est Moun qui corrompu, Moun qui a fait des ordres, Moun qui a fait des gars dans le pays. Les ça, insécurité a toujours été. Les ça va jamais de sécurité, c'est raison ça qui fait. Nous demandons que faut que droit moun respecter dans pays ça. Faut que nèg publié responsable droits humains en dans conseil électoral pour toi et toi et secrétaire femme non, c'est Yves Marie en dans conseil électoral pour toi. Là on délai qui tout coûte pour nèg faire ça pour compléter pour respecter ça la loi dit qui c'est 9 membres qui doit constituer KEP. Parce que nous demandons pour trois femmes dans respecter tout, pour mettre deux mouns à pour installer deux mouns à eux dans ce pays. Je dis là, pour qui ça, je parle de droit moun, je ne veux pas respecter droit moun. Parce que c'est la seule raison que pour vous connaître, normalement, tout ça fait dans le pays, même droit, si vous comprenez, qui ça peut être respecter droit moun, même droit être côté dans ce pays, côté dans le privé, même droit être va respecter. Parce que nous demandons installation, mais j'ai des gens avec comme nous. Cap défendre droit moun. Donc, plus fort moun qui l'a eu, pour m'a dit majorité, c'est de français droit moun. Donc, ils ont même engagé dans la bataille pour droit respecter. Donc, nous venons observer droit. Observer droit, vous voulez dire, une bonne solidarité avec eux. Observer droit, vous voulez dire, vous garder tout pour la police, la sécurité. Vous avez revendiqué droit à la participation. Ça veut dire droit pour les délégués, eux-mêmes, les gens dans le conseil électoral provisoire là, qui pour organiser l'élection. Faut nous dire pour toute la presse, pour toute l'opinion publique là, depuis le conseil électoral provisoire depuis 1997, c'est pour la première fois qu'on conseil présidentiel qui décidait de ne pas mettre l'organisation droit femme là-dedans, alors que les femmes représentaient 50% de la population. C'est pour la première fois que on dit qu'on ne peut pas mettre l'organisation droit moun là-dedans, alors que l'organisation droit moun, c'est l'organisation qui est plus active dans la société civile. Là. Donc, il y a des gens qui disent c'est parce que les gens de CPTA ont peur pour les gens de PYDH, Pierre Espérance, pas dénoncer. Nous-mêmes nous disons. Ce n'est pas Pierre Espérance qui a dénoncé Moun seulement, nous qui a dénoncé tout. Et nous croyons que la pression est faite sur CPTA, même CPTA apparaît comme des gens qui lâchent. Parce que le fait que Pierre Dilly est capable de faire autant pour privé, ça veut dire mettre en prison pendant 2 ans, faire autant pour Chelson Sanon, mettre en prison pendant 10 ans, faire autant pour. Comment faut-il voir la police dans les mecs qui fait compter? Lazare. Nous sommes de mettre Lazare pour parole, Pierre Espérance retire. Non, mais il est obligé de mettre une enquête pour le oui, mais c'est pas impliqué dans le bail, après ça pour le remettre le porte-parole. Donc, même si c'est après ça. Mais en même temps, tout, si vous n'avez pas de 15 ans de cas offert, vous n'avez pas de faire, vous n'avez pas besoin de paix. Nous-mêmes, nous n'avons pas utilisé la même tactique de dénonciation avec vous.
Mais ensemble avec l'autre organisation de Amounio, nous entendons utiliser tous les moyens légaux. Ça veut dire tout ça, la loi mettait à la disposition nous, n'a pas utilisé pour faire respecter droit organisation droit mondial et surtout implication dans CPA. Deuxième bagaille, n'a pas utilisé tous les moyens démocratiques, manifestations, sitting, protestations, notes de presse, conférences pour la presse, n'a pas porté plainte, sommation, n'a pas porté plainte, côté nous connaît qui là pour faire respecter droit mondial. Au niveau international, jusqu'à ce qu'ils fassent ça. En plus, nous surtout avons exigé ça parce qu'il n'y a pas de telle explication pour qu'ils ne pas mettre l'organisation de l'OMUNIO à l'organisation de l'OMUNIO, qui c'est des branches de droits humains importants. Donc nous exigeons qu'ils mettent. Voilà. Comment nous comprenons le comportement divisé secteur droits humains? Non, secteur droits humains pas divisé. Mettez l'opinion publique en défi. Dis-moi qui organisation contestée. Après, bien entendu, parler dans la radio. Dis-moi qui monde qui conteste. Il y a plateforme PORHTH, par exemple. Bon, ça veut dire qu'il y a 7 organisations qui contestent, ça 80 organisations faites. Donc, nous-mêmes, nous avons voté majoritaire. Comme nous-mêmes, dans la démocratie, c'est majorité pour la majorité qui passe, pour nous faire voter majoritaire. Comment nous qualifier ça comme PA, comportement PORHTH à RNDDH? Demander, mais vous, notamment, vous êtes représentant, moi, qui c'est Gédéon Jean, sous côté. Comment nous qualifier ça? On n'est pas représentant, nous, c'est représentant, yo, parce que Gédéon Jean, plus nous, PYDH, RMDH, nous-mêmes, sous garde de diverses notes que vous signez, ou après vous signez avec Gédéon, nous-mêmes, nous défendons son principe, pas en mis Gédéon, nous prenons Gédéon dans ce CPA. N'importe quand nous là, nous défendons, nous avons moi-même qui campé, qui défendons. Donc, mais qui organisation qui supposé participer dans le cadre de formation CEP. Article 289 là, la donne aux jeunes représentants CEP. Pas qu'à goûter cette personne. Selon des décisions ou soit des intentions inavouées, je ne sais pas ce que nous devons faire. Ça demande pour écarter Gédéon Jean. Bataille que nous faisons, il va faire seulement pour Gédéon Jean. Son bataille existentielle. Parce que en tant qu'organisation de droits humains, qui reconnaît par le ministère des Affaires sociales et du travail, par contre, cette personne qui l'a traité nous d'organisation bidon. Seule autorité étatique qui l'a pour authentifier nous en tant qu'organisation, il est le ministère des Affaires sociales et du travail. Et rappelez-nous que c'est même organisation ça qui a voté dans l'élection CSPJA, lorsque l'arrivée dans l'élection et l'élection CEPA, il a qualifié de bidon. Nous même avons dit que ça n'est pas ça, il faut passer. Étant donné que je connais depuis longtemps, il y a une bataille contre les gens qui sont compétents, contre les gens qui sont honnêtes, je demande pour le conseil présidentiel d'ajouter pressé, Gédéon Jean dans l'élection. Monsieur, droit monde et la démocratie qui est en jeu. En dans pays ça, nous connaissons qui ça, histoire pays ça dit, nous connaissons qui ça Haïti représenté dans l'humanité. Je dis là, nous pas quoi c'est dans le 21e siècle, en plein 2024, nous y est, où nous gagnons quelques responsables qui disent ces dirigeants, qui sont responsables de l'État dans le pays, pour camper en bras de fer, pour ne pas violer le droit de l'homme. Après, on a demandé pour l'élection fin faite en dans chaque secteur. Vous voyez, les représentants pour constituer CEP, 26 août qui sont passés là, sous 86 organisations dans le droit de l'homme qui ont voté, après, il y a 100 combien d'organisations qui étaient capables de voter, mais il y a 86 qui ont voté. Il y a 81 qui votent Gédéon Jean, donc pour choisir pour voter dans le CEPA. Nous demandons, responsables, sur qui base, nous avons nommé Gédéon Jean comme représentant du secteur droits humains, nous ne pas mettre dans le CEPA. Et nous croyons qu'il y a deux entités qui étaient dehors, c'est le secteur droit de l'homme et le secteur femme. Nous demandons pour qui ça, deux secteurs, ça a été dehors. Nous demandons pour qui ça, il n'y a pas qu'à compléter 9 membres que la loi a demandé pour compléter pour nous avoir un CEP qui est correct. Nous demandons sans perdre du temps, il faut que vous sortiez arrêter qui vient maintenant Gédéon Jean et responsable du secteur femme qui s'est Marie pour nous capable de compléter 9 membres qui viennent dans le CEPA pour avancer. Nous faisons place avec. D'abord, comme avocat, je vais rappeler nous. C'est la loi qui baille l'organisation de l'Amounio possibilité pour siéger dans le conseil électoral provisoire. Article 289. Et depuis le conseil électoral à fête de 1987, c'est pour la première fois qu'on s'est pété qui osait retirer le secteur femme avec le secteur de l'Amounio. Deuxième bagage, accord 3 avril,
À partir de l'accord 3-Ville, article 33.1, qui dit qu'il faut mettre un conseil électoral de 9 personnes, il n'y a pas 17 personnes. Donc, si on fait un conseil électoral de 7 personnes, son conseil électoral de 7 morceaux. Bon, nous-mêmes, nous décider, exiger présence représentant l'organisation de l'Amounio, tout autant, on va nous explication valable. J'espère que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc, si vous avez à peine tombé sur le channel, ça, pas oublier, abonner, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Donc, nous saluons tous les amis qui sont un peu partout dans le monde, là, qui toujours bah, nous love, là, qui t'a moyen de rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invitez-vous, cliquez et kounia.